Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire la review d'une nouvelle Ever After High. Donc comme vous pouvez voir, c'est une édition spéciale qui va sortir avec le film Epic Winter qui sortira cet été il me semble. Donc c'est Crystal Winter, la fille de la Reine des Neiges et du Roi des Neiges d'ailleurs. Donc comme vous pouvez voir, elle vient avec une bague, une petite carte, c'est le nouveau logo Ever After High Epic Winter, comme le nom du film. Sa boîte est en forme de... comme de sculpture de glace, je trouve. En bas, c'est blanc. On voit plein de cristaux. Derrière, on voit le palais de la Reine des Neiges. Ici, Netflix série originale. Donc la boîte est bien européenne. Donc a priori, elle sortira en France. Moi, je l'ai eu sur le Amazon allemand. Donc qui en général les a à un meilleur prix qu'en France de toute façon, et avant aussi. Donc comme vous pouvez voir, le reste de la boîte est transparent, sauf le bas où il y a le blabla habituel. Ici, il y a écrit « Contient une poupée, une histoire, une bague, des accessoires », donc pas de socle, ce qui est vraiment très dommage, parce que c'est vraiment quelque chose que j'appréciais chez les Ever After High. Là, on a une petite phrase, donc « Crystal Winter part à la recherche de la rose d'hiver qui permettra de briser une malédiction » et de sauver Ever After High, puisque dans le film, je crois que son père est atteint par un mauvais sort ou quelque chose comme ça, et il plonge le royaume dans un hiver éternel. Sa petite description, donc, elle a deux phrases en français. Quel pouvoir magique te rend spécial? Ma baguette royale crée de la neige comme par magie, et qui sont tes meilleurs amis pour la vie? Ashlinella et Briar Beauty. Ici, on a un artwork, donc elle est super jolie, très différente de la photo quand même. Notamment pas de collier, pas de ceinture et beaucoup moins de détails, donc ça je vous montrerai sur la poupée. Ici everaftereye.com, les autres de la collection, donc qui... Apple, je crois qu'elle a pas ce visage, Briard non plus. Ouais, elles ont les anciens visages en fait, elles ont pas encore les nouveaux visages. Pourtant les poupées ont bien les nouveaux visages. Le logo Netflix et encore du blabla. Du coup, je vais la sortir de sa boîte et on se retrouve pour la review. Et donc la voici hors de la boîte. Donc elle vient avec pour seuls accessoires cette petite carte qui est censée être son histoire. Donc il y a sa photo, enfin son artwork dessus. Donc la carte, aucun souci, c'est très joli. Par contre l'histoire derrière, c'est vraiment ridicule. En fait, comme c'est l'édition européenne, il y a une phrase. Donc le titre, c'est La Rose d'Hiver. Et la phrase en français, La Rose d'Hiver est une fleur magique qui renforce le pouvoir féerique de la Reine des Neiges. Donc c'est vraiment... Enfin, moi j'appelle pas ça une histoire, donc assez décevant de ce côté là. Elle vient aussi avec cette petite bague, donc je sais pas si on va bien le voir parce que même quand c'est pas sous la caméra on le voit pas bien. Mais il y a une rose dedans qui est argentée, puis un petit cristal transparent, et le reste de la bague est dans cette espèce de bleu violet foncé. Donc la bague est assez ajustable. Puisque là elle est ouverte, donc je peux même la mettre à mes doigts. Ce que je ferai pas tous les jours, mais bon. Voilà, c'est un petit accessoire. J'aurais préféré un socle plutôt qu'une bague. Je sais que la bague est pour les petites filles et les socles plutôt pour les collectionneurs. Du coup, je pense que Mattel planche sur ça. Donc, pour la review, je lui ai mis un socle que j'ai commandé sur AliExpress. Qui imite parfaitement les socles Ever After High. Donc, si vous ne savez pas quoi utiliser comme socle, ben, je vous conseille celui-là, ils sont pas très chers en plus. Donc voilà, sur AliExpress. Donc on va passer tout de suite à la review de Crystal Winter. Donc qui manque de beaucoup de choses et que je vais beaucoup critiquer. Donc si vous êtes vraiment fan, je vous conseille de partir parce que quand même elle a beaucoup beaucoup de lacunes. Mais je l'aime quand même beaucoup beaucoup. Donc on va regarder son visage d'abord. Je le trouve super joli personnellement. Elle a des yeux presque turquoise, son maquillage sous les yeux il est argenté et au-dessus des yeux il est argenté puis violet puis il y a une couche de paillettes, j'espère qu'on le verra à la caméra. Donc c'est plutôt joli, ça va avec ses autres couleurs. Ce que j'aime moins c'est ses sourcils qui sont marron, doré, caca doigt, donc ça j'aime pas trop. Mais j'aime beaucoup sa couleur de peau, alors elle ne brille pas comme on aurait pu croire, comme Faybelle. Par exemple, les photos laissaient à penser qu'elle avait la peau perlée, mais c'est pas le cas. Elle a un rouge à lèvres rose, son nez est assez pointu quand on y regarde bien.
Donc j'aime assez, je me rappelle pas d'avoir vu d'autres Ever After Eye comme ça. Peut-être Courtly ou Faragut Ferry un petit peu. Mais c'est celle qui a le nez le plus pointu, je pense. Alors, elle porte une couronne donc que je trouve super jolie, qui est la même que son artwork. Donc avec quelques détails de peinture, on va dire que c'est déjà ça. Je m'attendais presque à la voir toute blanche. Ses cheveux sont assez longs. Ils sont donc de trois couleurs différentes. Il y a cette espèce de blanc presque nacré, ce violet et ce turquoise. Donc elle a plusieurs mèches et c'est assez joli. Sa tenue, donc moi j'aime beaucoup sa tenue. C'est vrai qu'elle manque d'accessoires, notamment le collier et la ceinture. Je trouve que c'est moins choquant quand on l'a entre les mains que quand on la voit en photo. Par exemple, là, la ligne était assez choquante en photo, mais je trouve qu'en vrai, ça va un peu mieux. Pareil pour le collier, en fait, on le verrait presque pas de toute façon, vu toute la fourrure qu'elle a. Donc, ça me gêne presque pas, même si je trouve ça dommage que Mattel supprime ses accessoires au dernier moment. Ça fait toujours de l'espoir pour rien. Donc, elle a pas mal de fourrure autour du cou, ça c'est cool parce que c'est pas non plus trop cheap. D'ailleurs, la fourrure est super douce. Enfin, la fausse fourrure, bien sûr, est super douce. Il y en a un peu plus de ce côté, donc ça c'est un peu dommage parce que ça fait un peu le fouillis. Donc, je sais pas comment je pourrais arranger ça. Ensuite, son haut donc est violet avec des motifs à paillettes argentés. Donc, très joli. Les manches, encore une fois, avec de la fourrure. Donc, je trouve que la fourrure ça rend vraiment un aspect un peu plus intéressant que si elle était absente. Ça, donc je sais pas comment appeler ça, est-ce que c'est un jupon ou quoi? Donc, c'est censé imiter la glace. C'est en fait une couche avec des reflets et la couche du dessous est simplement blanche. Mais du coup, ça donne un super effet. Ça va presque jusque dans le dos. Donc ça change des poupées qui n'ont que les détails devant. Ça, la fin de sa robe donc est violet, bleu et blanche avec des flocons pailletés. Donc il y a plusieurs motifs, il y a ce flocon et il y en a des plus gros. Encore une fois, ça fait tout le tour. Et ça c'est assez agréable de la part de Mattel de faire ça, enfin de recommencer à faire ça. Parce que on en a un peu marre des trucs qui sont beaux de devant et hideux de derrière. Son petit accessoire, c'est cette baguette qui n'est malheureusement pas peinte comme l'artwork. Donc il manque un petit peu de détails, mais qui est quand même jolie. Elle est bleue turquoise avec des paillettes à l'intérieur. Et donc ça rend assez joli. C'est vrai que ça manque un peu de détails encore une fois. Elle a, comme tout le monde l'a vu, des collants peints. Donc ils sont quand même vachement détaillés et je trouve que la matière du plastique est pas légère comme je m'y attendais. Donc ça a pas l'air d'être trop creux là-dedans. Donc encore une fois c'est une petite déception mais c'est pas non plus l'apocalypse on va dire. C'est vrai que ça aurait été mieux avec des vrais collants même si moi je la change pas donc ça me dérange presque pas mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable du tissu. Ses bottes sont super jolies mais manquent encore une fois de détails. On voit bien les lacets et les petits grelots ici. Ses talons sont en glace, donc imitation glace. Et comme vous pouvez voir, la couleur est un effet nacré, ce qui fait qu'elle est blanche avec des reflets violets. Donc ça, c'est vraiment super joli. Il manquerait juste un petit coup de peinture, au moins sur les petites boules de poils. Voir les lacets, ça aurait été le top. Moi, je pense que je m'y aventure. Je pense que je m'y aventurerai pas, pardon, parce que je suis pas assez doué de mes mains. Du coup, Mario est terminé. Il n'y a pas grand-chose à dire sur elle puisque elle manque de détails. C'est quand même censé être une édition spéciale, donc une poupée qui est censée être plus détaillée que les autres. Comme Mira Shard et Courtly Jester. Mais encore une fois, on voit que Ever After Eye prend la mauvaise route avec l'absence de détails, l'absence de socle. C'est bien de nous mettre une petite bague parce que ça vise vraiment les petits, enfin les enfants quoi. Mais du coup, nous les collectionneurs, on est un peu déçus et on reste sur notre faim donc.
À voir. En tout cas, j'ai quand même hâte de voir ce film qui a l'air génial. Les films Ever After Eye étant de plus en plus de qualité, je trouve, à chaque fois. Donc ça, j'ai rien à redire. Du coup, ma review est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. J'ai hâte de voir, de vous faire la review des nouvelles basiques. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!